Good morning, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortuné Mazal, Claude Yitzhak Ben Fortuné Mazal et Dani, Myriam, Bat, Aliza, Sayak. Si vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine étude du Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masechet Yoma, Père et Gimel, Mishnah Bet. Velama ou tzrichou lekar, shepa machat ala meor alevana, vedimu sheir mizrach, veshachatu et hatamid, votsiou le bet asrefa. Uridu kohen gadol le bet atvila. זה הכלל היה במקדש. כל המייסך את רגליו טעון דבילה, וכל המטיל מים טעון קידוש ידיים ורגליים. Deux sujets dans la Mishnah. Le premier, ça va compléter la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on avait vu toute l'histoire où, lorsqu'arrivait le petit matin, dans la Mishnah précédente, on parlait de Yom Kippour. Lorsqu'arrivait le matin, alors on envoyait un Kohen qui allait monter sur un endroit haut, qui guettait est-ce que le soleil était en train de se lever, et alors il nous disait Barkaï, oui, ça, il y a la lueur jusqu'à Chevron, d'accord. On avait appris ça dans la Mishnah précédente. La Mishnah maintenant commence en posant la question, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de procéder ainsi? Ça suffisait de voir ce qu'il fait jour, il fait pas jour, pourquoi tu as besoin d'envoyer de s'assurer que tout le Mizrach il est éclairé, pourquoi ça suffit pas même de voir, bon, dès qu'il y a une petite lueur au fond de l'Est. Alors c'est bon, c'est le petit matin, pourquoi il a fallu voir qu'il y a tellement de lumière, d'accord? Monter sur le toit, et... ouais, c'est la question est un peu délicate, c'est pour ça que je m'embrouille pendant que je parle. Quoi. La question elle est délicate, parce que chacun elle explique un peu à sa manière. La motre sur le terre, pourquoi ils ont besoin de faire ça? Deux, d'avoir un guetteur qui monte et qui nous assure que c'est bémettre la lueur du soleil, d'accord? Selon la réponse, on va comprendre ce qui s'est passé en fait. Et la Mishnah nous raconte, « Shefa machat, car une fois... » Ala meor alevana, il y a eu la lueur de la lune qui est montée. Vedimu sheir amizrach, sheir mizrach, et ils ont cru que c'était l'est, le soleil qui était en train de se lever. Et alors ils ont veshachatu et tamid, ils ont déjà commencé à faire la shrita du tamid. Et puis quelques minutes après, ils ont réalisé que c'était la lune et que c'était pas le soleil. Et otsiou les bêtes asrefa. Et ils ont fait sortir, donc ils ont dû faire sortir le korban tamid pour aller le brûler au Bet Asrefa, à l'extérieur du Bet Amigdash. Là-bas, on brûlait tous les korbanot qui étaient invalidés. Vous avez compris l'histoire? En deux mots, il fallait mettre un guetteur qui s'assurait bien, qui montait bien haut, pour s'assurer que c'est bien le soleil, c'est pas autre chose, parce que, dans un premier temps, on se fondait sur le fait que, ça y est, il y a une petite lueur, on voit tous la lueur, et puis on faisait déjà la shrita du tamid. Or, le tamid, il doit être nécessairement, baboker, le passage qu'il a dit, le matin. Le matin, ça veut dire pas la nuit. Et donc, si c'est la nuit, il a été invalidé. Et une fois, on a dû sortir le korban tamid à cause de ça. D'accord? Il y a un bortenora un petit peu long qui explique une notion assez délicate. Je vais le faire très rapidement. Vous avez compris, c'est pas grave. Il se soucie, le bortenora, de nous dire en réalité, la gma le dit en fait, que c'était pas cette histoire qu'ils ont fait sortir le. Ils ont envoyé un korban tamid au Bet Asrefar, hein. Ça s'est pas passé à Yom Kippour, cette histoire, vous savez pourquoi? Parce que Yom Kippour, c'est le 10 Tishri, on est encore dans le premier tiers du mois. Or, une histoire pareille, où on voit la lune qui monte à l'est, et puis qu'on réalise en fait, qu'on croit que c'est le soleil, donc ça arrive au petit matin, ça peut pas se produire dans la première partie du mois, mais plutôt dans les derniers jours du mois. D'accord? L'idée, elle est très simple. Je vais vous faire un petit cours d'astronomie, quoi. J'espère que vous connaissez un petit peu comment ça se passe. Mais on a le soleil qui est là, la Terre qui est là, et la Lune qui tourne autour du soleil. Autour de la Terre, d'accord? La Lune tourne autour de la Terre en 29 jours, 12 heures, et tashtag. Donc elle fait le tour comme ça, ok? Donc c'est-à-dire qu'à Rosh Chodesh, la Lune, elle est là. Quand on voit la Lune tourner dans le ciel, vous avez bien compris qu'on ne voit pas la Lune tourner, la Lune, elle reste sur place, presque. Elle fait un immense tour pendant 30 jours, donc chaque soir, elle avance un petit peu. Ce qui tourne, c'est nous qui tournons. Quand on a la Shkia, donc on a dit le soleil il est là et la terre il est là, regardez là, bon, vous voyez mon majeur? Le majeur là, il voit le soleil, hop, le soleil il est à l'horizon, il est en train de se coucher, c'est le coucher du soleil. Le soleil est couché, maintenant il va faire le tour comme ça pendant les 12 heures de la nuit, les 12 heures soleil, de la solaire de la nuit, et puis là, on va commencer à voir le soleil qui va se lever. D'accord, vous avez compris comment ça se passe? C'est mon doigt qui tourne en fait, comme ça. Ok? Maintenant, la lune elle est là. Donc, pour le moment, dans les premiers jours de la nuit, on voit au contraire, lorsqu'elle couchait du soleil, on commence à voir un petit peu la nuit. Mais après, très rapidement, ça y est, on a quitté complètement, elle n'est plus du tout dans l'axe, on ne peut plus la voir, on ne voit plus la lune.
le 15 du mois. En ce moment, on est là, le 10, 11 du mois de Av. D'accord, par exemple. Donc, on a la Lune qui est à peu près là. Elle est plus que la moitié, même. On commence à bien la voir. Donc, du coup, on commence à la voir à la tombée de la nuit. Et pendant une très bonne partie de la nuit, mais je peux vous garantir que vous allez arriver vers le petit matin, vous allez la voir difficilement à l'ouest, jusqu'à ce qu'à la fin, elle va disparaître. Et vous n'allez plus la voir pendant, vous allez passer un bout de nuit sans voir la Lune. Jusqu'à que la Lune, elle va faire son tour, elle va arriver jusqu'ici, le 15 du mois, le 20 du mois, le 27, 28 du mois. Alors elle est là cette fois-ci maintenant. Elle est là, elle est face au soleil. Enfin, elle est plus proche du soleil maintenant. Et donc, pendant toute la première partie de la nuit, on ne la voit pas. La Terre continue à tourner, vous voyez le majeur là, hop, vers l'approche de la fin de la nuit, on commence à voir une lueur au fond, à l'est, qui n'est pas le soleil, qui est la Lune. Jusqu'à quand on continue de tourner, qu'on va voir le soleil, que la Lune elle va disparaître, parce qu'il y aura tellement de lumière. D'accord, vous avez compris? Tant mieux, sinon, je suis un mauvais professeur. Et je continue à avancer. Oridou, maintenant on a quitté l'histoire avec le Tamid, Shel Shachar, et qu'il fallait le brûler. Nouvelle, on revient maintenant sur l'histoire de Yom Kippour, le procédé. Donc on a eu le feu vert, que le soleil était en train de se lever, donc le jour est arrivé. C'est le moment d'apporter le Korban Tamid. Qu'est-ce qu'on fait? Oridou Kohen Gadol, les bêtes de Villa. On faisait descendre le Kohen Gadol au Beth Advila, au Mikvé. Il y avait, ça va être un gros sujet qu'on va voir justement dans ce chapitre, c'est toute l'histoire des Dvilotes du Kohen Gadol qui va devoir se tremper plusieurs fois dans la journée, chaque fois qu'il va changer d'habit. Pour le moment, on est encore dans la première Dvila. Comme ce qu'on apprendra dans la prochaine Mishnah, en fait, que toute personne qui vient commencer à faire une Avoda au Beth Amigdash doit d'abord passer au Mikvé et se tremper, même s'il est pur. C'est une Itkanchut. Donc, Oridou Kohen Gadol, les bêtes Advila, on faisait descendre le Kohen Gadol au Mikvé pour se tremper, puisque ça y est, le jour est arrivé, c'est le moment de porter le Korban Tamid, va te tremper. Et la Mishnah me rajoute à propos maintenant, donc je vous dis, on va parler plusieurs fois du Mikvé cette fois-ci, mais en me donnant d'abord une première règle qui n'est pas en rapport direct avec ce qu'on est en train d'apprendre, avec le rituel de Yom Kippour, que Zéakla la Yab Amigdash, telle est la règle qui lève au Mikdash. Kola Mesech et Ragla Avtaunvila. Tout celui qui va, regardez comment on parle purement, tout celui qui va couvrir ses pieds, alors il doit se tremper au mikvé. Mais chola matil maïm, et tout celui qui va donner de l'eau, taoun kidush yadaim reglaim, il devra juste sanctifier les mains et les pieds avec le kior. Je vous explique, c'est quoi se couvrir les pieds, ou c'est quoi envoyer un petit paquet d'eau, c'est tout simplement faire ses besoins, les petits ou les grands. Quand on fait les petits besoins, donc on donne de l'eau, la Mishnah nous dit, tu sais, quand on urine au Beth Amikdash, un kohen qui urine au Beth Amikdash, quand il reprend sa avoda, il doit d'abord passer au kior, se faire kidush adaim reglaim. Utiliser le kior là-bas, qu'on a déjà découvert, non, on découvrira plus tard plutôt. Et la fin du pérètre, le kior, la Torah nous a dit, va citer kior de chochette, avec un nom de chochette, il fait sanctifier les mains et les pieds. Donc, celui qui est parti pour les petits besoins, il doit sanctifier les mains et les pieds. Par contre, un meseret raglav, celui qui se couvre les pieds, quel. Pureté de langage, j'apprécie énormément, quoi. C'est une manière polie de se dire, c'est à quel moment qu'on se couvre complètement les pieds parce qu'on va faire ses besoins. C'est quand on va faire les grands besoins, justement. Donc, un messer, imaginez qu'on est en tunique, bien sûr. Donc, tout celui qui va se couvrir les pieds, c'est-à-dire qui va se couvrir tous les pieds, donc il est parti faire les grands besoins. Alors, dans ce cas-là, lorsqu'il finit, Taoun Dvila, il ne reprend pas la voda directement, il a besoin d'abord de faire une Dvila, de passer au Mikvé, se sanctifier pour ensuite reprendre la voda. En plus du kiddush adayim reglaim. À la différence de celui qui fait les petits, donc, comme on a dit, qu'il doit faire juste le kiddush adayim reglaim. Et donc, du coup, dans ce chapitre, on va longuement parler de. Beaucoup de fois, on va parler beaucoup de l'histoire du mikvé, combien de fois il faut se tremper au Beth Amikdash pendant la voda. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Selah.